Bienvenue dans Formula One. Je comprends tout à fait. Mais mon client participe à un championnat. Alors si vous souhaitez notre participation, ces conditions ne sont pas négociables. Oui, bien sûr. Contactez-moi dès que possible. Au revoir. Faut toujours que ça coince quelque part. Bref, c'est gentil d'être venu aussi vite. J'aimerais qu'on aborde rapidement un ou deux points avant la course. Tout d'abord, comme prévu, voici un exemplaire du contrat. C'est un très bon contrat, mais l'écurie se réserve le droit de le résilier en cas de performance décevante. Vous êtes second pilote, mais avec de bons résultats, je vous trouverai de meilleures propositions. J'aimerais aussi que vous participiez à des épreuves de prestige durant la saison. C'est une belle expérience et un bon moyen de promotion, et en prime, vous pourrez conduire d'anciens modèles. Bien, la prochaine séance va commencer. Bonne chance. Bienvenue à Melbourne pour le Grand Prix d'Australie où la séance d'essai est sur le point de débuter. Le briefing d'avant-course est terminé et il est temps pour les pilotes de montrer de quoi ils sont capables. Toute l'attention est naturellement tournée vers les pilotes, mais il est aussi indispensable que les mécaniciens fassent bien leur boulot, car une seule petite erreur peut influencer le résultat de l'équipe et des pilotes. Ces gars sont tellement méticuleux, ce sont des perfectionnistes. Ne croyez pas qu'ils ne ressentent pas la même pression que les pilotes. C'est une période intense pour toute l'équipe. Taipei a complètement tué.
Dans le monde impitoyable de la Formule 1, la séance d'essai libre est une étape incontournable de tout week-end. Bonjour, c'est Jeff. Je suis l'ingénieur. J'ai hâte de travailler à tes côtés. J'espère que tu t'es bien reposé parce qu'une longue journée de travail nous attend en vue de la saison à venir. On va préparer la voiture. Tu peux te lancer sur la piste et boucler quelques tours. Oh.
Les réparations de la voiture nous ont un peu retardés.